Jusque-à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque-à quand me cacheras-tu ta face? Jusque-à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque-à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut, je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Psaume 13. Que paix et grâce, bon Dieu, avec nous chaque matin. Nous levons nos bon Dieu bien haut, nous disons merci pour ça qu'il fait pour nous. Nous comptons parce que chaque jour nous dormons, nous lever son miracle. Chaque jour nous dormons, nous lever, nous pas capable de lever mais en l'air pour nous dire bon Dieu merci. Pour nous dire merci pour tout ça le fait pour nous, pour tout ça le réalisé pour nous, pour tout ça l'accompli dans la vie nous. Nous connaissons des monde qui toujours attendent le ça. Des monde qui toujours paré pour réveiller chaque matin. Pour chercher qui grâce que bon Dieu mettait pour yo pendant journée, réservé pour yo pendant journée ça. Et comme ça, tout le monde qui dormit, qui pas levé matin en tout. Mais le fait est que, moi-même ou même nous là, nous vivons toujours. En dépit de gens la vie aillée, en dépit de tout défi qui est devant nous, de tout ça qui est devant nous comme des interrogations, mais nous vivons toujours et nous avons espoir dans bon Dieu, nous avons espoir que bon Dieu a fait reste yo. Tout ça qu'il faut qu'on fait yo, nous avons espoir que bon Dieu a fait yo. Nous avons espoir que bon Dieu peut l'accomplir yo. Matin, nous saluons tous les amis qui branchaient d'ici et d'ailleurs, les amis de près et de loin, tous les amis qui toujours cherchaient et moment ça mettait à part pour que le Seigneur lui-même l'y capable. Bénio. C'est à coup chaque matin nous lever et puis Napton yon pratique yon machine passée pour le capable eh bien ba nous ça nous besoin. Mais pratique nous chaque matin c'est la prière. Pratique nous chaque matin c'est la méditation de la parole de Dieu. Côté que nous chercher et joindre bagay qui bon pour nous nous pour nous avancer avec le Seigneur. Comment t'es dormi hier soir? Est-ce qu'on bien dormi? Est-ce qu'on bien réveillé? Est-ce qu'on réveillé avec regret ou réveillé avec souci ou souci la vie, calamité ou tout ça yo yé et qui vit dans tête ou qui monte en seul coup? Peut-être gen moun ki dorme une heure de temps, deux heures de temps, puis pendant nuit là, puis yo réveillé et puis yo commencé réfléchir yon série de bagay qui a passé dans la vie. Gen moun pendant nuit là qui couché mais qui courir levé et de façon soudaine en sursaut parce que gon bagay k'ap passé dans tête yo et puis depuis les pas jamais dormi encore pendant toute nuit a réfléchi gen tout los yeux yo al tomber sous oreiller et puis yo pas jamais dormi encore jusqu'à matin mais yeux a clair matin gen espoir non si yo a gen espoir dans bon Dieu fait bon Dieu confiance continuer à agir la foi on en si yo a. Peut-être moment wap tann yo a pou ko rive. Peut-être ça wap tann comme résultat
de problèmes ou à chercher dans mes bon Dieu à pour arriver. Ça pas veut dire que bon Dieu pas fait. Nous saluons toutes amis qui branchés sur Radio Bonheur Matin, toutes stations de radio qui retransmettent prière ça. Nous saluons tout le monde qui branchait depuis le Cap Haïtien sur les ondes de la radio ITFM. ITFM, bonjour. Toutes amis qui sont dans l'Est pays d'Haïti et avec Radio Puissance Inter de notre ami Néré Andulair. Bonjour frère Néré, avec toute madame qui branchait matin. Toutes amis qui branchaient depuis Port-Salut sur Radio Fraternité, bon réveil. Radio Bonheur Réveil avec bon Dieu, amis Saint-Domingue, amis qui sont dans le Brésil, Texan Key Cross Island, amis qui sont dans Bahamas, amis qui trouvent en France, amis qui Canada, Chine, Japon, amis qui la caille nous Kentucky. Bon réveil matin, bon réveil. N'a privé avec bon Dieu, gai espoir dans bon Dieu, gloire à Dieu. Même si bien lisse. Réveillez avec mon Dieu, pas oublier que non écrit dans plein bon Dieu matin. Hein. Qu'au vent m'être soufflé, l'orage gronde, moi pas m'éprendre, le plus rien. Même si bien lisse, pas qu'à tomber, parce que même moi. Non mais bon Dieu, non mais cri, non blâme bon Dieu, personne pas qu'à effacer. Non mais cri, non blâme bon Dieu, la veille sur moi chaque jour. La mais bon Dieu, la vie pas qu'à passer mal, pas qu'à y aller. Même si le vent souffle, même si t'es à trembler, pas qu'à y aller. Parce que le nom écrit dans la mais bon Dieu. Nom écrit dans la mer bon Dieu, personne n'a qu'à effacer. Nom écrit dans la mer bon Dieu, la veillée sous-moi chaque jour. Racine-moi planté dans le jardin bon Dieu, à cassirance ma pas avancé. N'importe sacrifié, pas inquiété, parce que connais, moi bien caché. Non mais qui n'a pas mangé, personne n'a pas effacé. Non mais qui n'a pas mangé, personne n'a veillé sous ma chaleur. Oh. Oh,
Bonjour, soeur Roselyne, bon réveil. Toutes amies de Halendal, bon réveil matin. Hein? Pasteur Mulins, frère Samuel Noël, soeur Roselyne. Le frère Thomas Koutoua, frère Christo, frère Anthony, bon réveil matin. Hein? Non écrit dans plein, mais bon Dieu. C'est pour raison ça. Famille pas qu'à effacer. Sans pas qu'à effacer. Problème pas qu'à effacer. Agis fort. Le soir est là. Le pas qu'à effacer. Non. Au nom de Jésus. Nom écrit, nom plâme, bon Dieu. Personne va qu'à effacer. Nom écrit, nom plâme, bon Dieu. La veillée. Si nous approchons, n'abrédons, à que nous assoirons, n'abrédons, que n'y besoin de toucher, n'abrédons, que besoin à chercher. Bon réveil matin, hein, ou sous Radio Bonheur, réveillé à bon Dieu, chaque matin, 6h, 7h, et nous saluons toutes les amies qui branchent en Haïti, quel que soit côté Oye, et même qui est Cap-Haïtien, et même qui est dans l'Est, pays d'Haïti, qui est dans la côte sud pays, qui part au Prince, qui est Gonaïve, quel que soit côté Oye matin, hein, moi saluer dans le nom de Jésus. Hier, nous t'avons parlé de Paul. Nous t'avons continué et parlé de leader ça. Ils ont vie de souffrance, ils ont vie de stress. D'ailleurs, c'était même la prophétie de Dieu sur l'apôtre Paul. Et nous t'avons commencé à citer quelques occasions, quelques passages aussi dans le livre des Actes des Apôtres, qui montrait que Paul était une vie terrible. Par exemple, on était commencé à dire hier depuis Damas, lorsque il était tombé et Barnabas était venu lever, dans Acte 9, 23, 25, il y a un complot qui a fait pour tuer l'apôtre Paul, mais il a fait Paul descendre dans corbeille le long de la muraille qui entourait Villa et Paul était sauver les sannes en corbeille, mettez le dehors pour pas tuer le. Ça, c'était le tout début du ministère de l'apôtre Paul. De Damas, nous sommes montés à Jérusalem. À Jérusalem, dans Acte 9, verset 26 à 30, c'était le moment côté que les chrétiens pas devaient accepter l'apôtre Paul. Il n'y a pas de reconnaître les communes dans les disciples, parce que, et d'ailleurs, il y a même complot que tu as fait pour que les hellénistes, les juifs grecs, les juifs de la diaspora grecque, ils étaient les hellénistes, ils t'ont cherché pour te tuer l'apôtre Paul. Nous t'es arrivé hier dans Antioche de Pisidie, Antioche,
yon ville nan Pisidie kote ke te gen jalousie kontre l'apôtre Paul. Yo te même excité des moun, provoqué même yon persécution parce que ou capable leader nan assemblé mais gen des moun kap excité moun, gen des moun kap provoqué moun. Ou capable leader nan assemblé mais gen des moun kap opposé moun contre ou même. Et ben te gon provocation don persécution contre l'apôtre Paul nan church de Pisidie. Et nan provocation ça, ou pral vann plusieurs moun levé contre l'apôtre Paul nan Antioche. Assez souvent et le gagnent opposition comme ça, les gagnent contradiction, les gagnent provocation contre un leader et qui nan assemblé ou après que gagnent chef de file qui a recevoir tout le monde, qui a parlé à tout le monde, qui a dit que la petit tout le monde à côté. Et puis qu'on y est là pour algon provocation, pour algon soulèvement. Et c'est ça qui est arrivé Paul dans Antioche, côté que gon soulèvement qui fait. Et ça était vraiment dur pour Paul, côté que y a mettez le dehors dans la ville là, chassez le de la ville. Mettez le dehors et tant coup chien, voyez l'aller. M'a imaginé Paul qui a réfléchi premièrement le lagel dans ti cobe tant coube mais Moïse dans Damas dans Jérusalem yo dit le place li pas là dans Antioche qui s'est passé yo chassé de la ville réalisé que réflexion était terrible n'a rentré dans icône jodia dans icône jodia icône et d'ailleurs, ouais, non, nous avons le mot icône. D'ailleurs, icône veut dire petite image. Dans icône, Paul gagne opposition des Juifs qui refusent de croire à la prédication de l'évangile de l'apôtre Paul. Et là, Paul gagne les Juifs qui Paul mettait tête yo avec Sanhéri les gentils ou bien les païens pour opposer contre l'apôtre Paul. Là, Juif yo Paul campé. Et puis, il dit pas rien, on nous met ensemble pour nous carillonner l'apôtre Paul en bas de roche. Paul et Barnabas étaient dans la zone ça, lorsque dans l'icône, il y a une coalition ça qui fait. Nous venons histoire ça dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 1 à 6. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 1 à 6. Il dit que à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble de la synagogue des Juifs. Et s'il vous plaît, c'est pas non bas qu'ils ont été entrés, non? Vous comprenez ça très bien, de la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. La prêcher la parole, mon a grandi et mon a pas accepté. Ils d'accord, mais ceux des Juifs qui ne crut au point exciter et aigrir les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et qui permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et verset 5, et comme les païens et les juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, eh bien, Paul et Barnabas guettant comme ça, ils ont réfugié dans les villes de l'Icaonie et à Lystre, et ils sont arrivés là. Maintenant, Paul arrivé à Lystre, vous pensez que le tabon, dans Actes des Apôtres 14, sous l'IRS verset 1, et un jour, l'apôtre Paul a annoncé l'évangile, après le fin de guérir un boiteux de naissance. Et puis, il y a des gens qui sont dans l'icône, dans Antioche qui rentrait. Et là, qui Paul fait Paul plus mal que le pensé. Il a lapidé, là, il a réussi pour Paul. Il a lapidé, il a traîné hors de la ville. Et il pensait que le mourir. Et puis, Paul levé, retourne dans la ville là. Et dans demain matin, il y a les poudres pour l'évangéliser. Mais pour qui ça vit de stress ça, pour yo apôtre qui a annoncé l'évangile? Donc, en dépit de tous les dangers que Paul a subi de frappe que la prend,
li retourné à icône wapli ça dans acte des apôtres chapitre 14 verset 22 en dépit de traîner hors de la ville et lapider li retourné à icône et à Antioche pour fortifier l'esprit des disciples pour exhorter au persévérer dans la foi et dire que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Waouh. Mais ou ka dit que mais pour qui ça Paul pas quitter ça? Pour qui ça Paul pas la gué ça me t'ai pas réponse là hier. Paul t'ai gagne deux bagages sous tête li. Un. Bon Dieu choisit pour le porter l'évangile by toutes les nations et deuxièmement plan de souffrance là il était dans prophétie que bon Dieu te bail sur l'apôtre Paul, j'en t'ai dit hier. Paul pour le retourner même côté. Il était couru derrière de là. Pas pour l'autre bagaille non, pour fortifier l'esprit des disciples, oui. Gade fois comme leader ou même cap côté matin. Gade coup qu'on prend. Ou dit am décourager me pas faire encore mais lorsque j'ai ministère que bon Dieu bord. Lorsque j'ai appel que bon Dieu baou. Lorsque j'ai confirmation de appel que mon Dieu bat comme ministre de Dieu, et puis c'est retour et ouais, ou fortifier mon encore, ou prendre mon service encore, ou pleuver l'ennui à aider mon encore, ou fortifier les disciples, ou exhorter, ou persévérer dans la foi. Parce qu'on songeait que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, verset 22. Mais ou même comme leader. Quelle phrase ça, c'est par beaucoup de tribulations. Paul lapidé, Paul hors de la ville, il pensait qu'il mourit. Mais bon Dieu, il a la force pour le relever encore. Combien de fois, mon pensait qu'on finit, toute bagaille finit pour vous dans le ministère, pas capable encore, pas capable camper encore. Mais non, parce que, puisqu'on gagne appel, bon Dieu, sous vous, puisqu'on gagne la main de Dieu sous vous, puisqu'on gagne onction de Dieu sous vous, eh bien, qui s'est passé? Obligé camper encore pour prêcher l'évangile. C'est pas sans honte qu'on sans honte, c'est onction que ça vous-même. C'est pas sans honte qu'on sans honte, c'est esprit de service que bon Dieu mettait pour maintenant. C'est pas sans honte qu'on sans honte, c'est amour que bon Dieu mettait dans le cœur pour fortifier monde. Deux fois l'idée a fortifier monde, mais le con tristesse dans le cœur. Deux fois l'idée a aider monde, a exhorter ou persévérer. Mais l'gon chagrin dans keul, l'gon roche sous keul, l'gon charge que la pote, ou bien l'gon charge que bal pote. Eh bien, Paul levé campé dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 19 et 22. La persévérer dans la foi. Et peut-être, sans doute, les disciples, lorsque le retourné à Icône et à Antioche, disciples, sans doute, a dit Paul, mes amis, pour qu'ils soient passés misère comme ça, Paul, pour qui ça a fait toute bagaille si là, yo. Paul ou pas de besoin vini, ou est danger gende yo, a. Paul ou pas de besoin là, et puis Paul répond yo, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Même Jean-Jésus qui te dit que le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Réveille à bon Dieu matin. Mon seul abri, c'est toi.
sœur Mémène. Bonjour maman qui est branchée depuis Cap-Haïtien. Bon réveil matin à toutes les amies qui sont branchées, qui sont bénies. Et qui connaît que bon Dieu compte by force. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Car tu me réjouis et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Bonjour sœur Mirlande. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. Le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mais on parle qu'à Benimoun Mater. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Chaque lope font y appuyer sous bon Dieu, attendez. Les situations difficiles. Hein? Je m'appuie sur toi. Bonjour, sœur Justine. Je m'appuie sur toi. Sœur Priscille, bon Dieu béni au matin. Hein? Ça, c'est parole l'apôtre Paul là. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, et seul, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Si nous approchons la bédame, à qui nous assoit. Bonjour sœur Jacqueline depuis New Jersey. Bonjour frère Edouard qui est réveillé bonnet bonnet à Radio Bonheur. Bonjour frère Jose, frère Benoît, sœur Dasline, Linda, Moïse, Edouard, Stéphanie, Joseph, Edouard qui est branché matin cap réveillé avec bon Dieu. Sa vie bon Dieu très difficile. Et servir mon tout, très difficile. Où songe Moïse tapé,
bat peuple à la manne, et puis il était soulevé contre lui, il dit à Moïse, nous bouquons avec la manne. Qu'on est assez vienne, nous t'apprend. Servir bon Dieu pas facile, et servir moun pas facile tout. Moi, saute cité pour vous, des villes Tankou et Antioche, Icône, Lystre, je saute cité pour vous-même. Et vous pouvez voir que lorsque l'apôtre Paul a écrit à Timothée, parce que Timothée était le fils spirituel de l'apôtre Paul, c'était petit dans la foi. Le Paul a écrit à Timothée, surtout dans 2 Timothée, deuxième épître de Paul à Timothée. Paul, pour le faire, on rappelle de lieu si là, comme cette cité-là, Taco, Antioche, Icône, Lystre. Paul, pour le faire, on rappelle de lieu si là, à Timothée, parce que semblait que ces 3 places, Icône, Lystre et Antioche, souffrance la dérivée non niveau, stress la dérivée non niveau qui est très haut pour l'apôtre Paul. Et ça fait que, le Paul a écrit Timothée, Paul citait ces 3 villes, Antioche, Icône, Lystre. En allant 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 à 12. Pour toi, Paul a parlé à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité et ma constance. De Timothée 3, verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. Et puis Paul dit Timothée, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé, ouais, à Antioche, à Icône et à Lystre. Donc Paul citait 3 villes Silayo, sans doute qui t'ai fait le mal en pile, côté que était carillonné en bas contre roche, traîné hors de la ville, pensé que le mourit. Paul a cité le nom de ces 3 villes lorsqu'il a écrit à Timothée. De Timothée 3, verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre? Gon deuxième question que Paul peut poser à Timothée encore. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. De Timothée 3, verset 12. Paul Pagan pour le dit Timothée encore, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, Paul rappelait ces 3 villes, Paul rappelait ces 3 événements, et sans doute Timothée était au courant de ça qui était passé. Paul à Antioche, semblait que la situation était terrible, qu'il était difficile. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Car tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc là, et Paul lui rappelait Timothée ses souffrances, ses moments difficiles dans son ministère, et principalement ces 3 villes qui t'ont marqué Paul dans le niveau de souffrance. Les réveillés avec bon Dieu matin. Hein? Oh,
Bonjour frère Lucanès depuis Cap-Haïtien. Frère Lucanès, bon réveil matin. Hein? Victoire Christ là, c'est pour nous. Frère, c'est Dieu depuis Cap-Haïtien, mon Dieu béni au matin. Hein. Victoire Christ là, c'est pour avec toute famille. Hein. Maintenant, Paul arrive dans Thessalonique, parce que Thessalonique, c'est la ville des Thessaloniciens. Et dans Actes des Apôtres 17, versets 5 à 9, c'est jalousie que Paul gagne de la part des Juifs, qui Paul provoquer un petit groupe fête agitation dans la ville. Là, il y a des Paul et Silas, ils ont pas venu maltraiter l'autre chrétien. Et puis, la nuit encore, Paul et Silas obligés de quitter la ville. Ça fait me songer parole que Jésus-Christ dit que le Fils de l'homme n'a pas reposé sa tête. Il dit que Renayo, maintenant, boit au gain côté priorité, mais petit l'homme n'a pas gain côté pour le reposer. Et c'est ça qui arrivait avec Paul et Silas. Ils sont toujours obligés à chaque moment de quitter la ville là pour y aller en l'autre côté parce que persécution en Andéo. L'on a mené envie de nomade comme ça, ici, ça et là, pour l'évangile. Ou à demander, mais comment on sent tout vraiment. Quittez-moi lire pour nous, Actes des Apôtres 17, versets 5 à 9, pour s'activer Paul à Thessalonique. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. » Bon, Paul et Silas a prêché l'évangile, mais Odyssée bouleversé a bouleversé. Ils agissent contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi Jésus. Là, c'est qu'ils ont parlé contre César, ces accusations ça. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Ils prennent en main, ils arrêtent. Et Paul et Silas, obligés, sauvés, quittent la ville. Ils ont une situation qui était vraiment terrible encore. Voilà la vie de l'apôtre Paul. Bon, saluer quelques amis qui branchaient. Et depuis
côte sud pays d'Haïti. Bonjour Enzo Valentin, bon réveil matin et m'a salué Mario Préval, Marie-Elsie Takazo, Amboise Moïse, Pastionné à Juste Lui, Sony, Anita Grégoire, Misseline Lebrun, Sidney Diamson, Cazo, Bruno Ladi, Saint-Anor Paul, Marie-Étro, Jules Félix, Dérouté Lebon, Ernst Peyo, Jean Menet, Marcel Félix qui n'a pas salu, Iliati Canada, Berline Fleurimont, Anita Grégoire, Michel-Ange Romélus qui n'a zone Beaulieu, Antoine Dorzière, Misslène Dorzière, Juna Zamor, Chalmaï Dozia qui dans la Sousse, Litesse Dorimé, Jean Junior qui dans Tiburon, Edline Blaise, Serge Théonier, Sœur Eliane Blaise, Joanne Mazil qui dans Okoto, Conseillant Wadelini, Clergé Jeffson, Silé Jean-Daniel, Henri Agiano, Muscadin Loudi, Clermont Duela, et Diola, Laurette Denis qui dans Chiendan, tout moun si la yo, branché à côté dans côte sud pays d'Haïti. Donc c'est pas si causé en pile monde chaque matin branché à prier avec Radio Bonheur. Nous pas faire première prière matin hein? Ce Maïdaline que bon Dieu bénisse, Sœur Ivana que bon Dieu bénisse matin pendant que n'a réveillé. Nous pas faire première prière. Seigneur, nous sans force, mais Dieu nous fixe sous. Merci parce que matin encore, bon Dieu, nous capables, bien Dieu nous ouvrir, nous capables de réveiller matin et continuer à vivre. Merci parce que quand vous occupez l'autre, pas passé loin nous. Parce que si vous êtes passé loin nous, Dieu tout puissant, nous ne pouvons pas parler encore. Si vous êtes passé loin nous, vie est finie. Si vous êtes passé loin nous, nous déjà perdu bataille. Si vous êtes passé loin nous, bon Dieu, déjà méchant et guettant fini avec nous-mêmes. Mais nous vivons. Et maintenant encore nous réveiller, nous dit nous ne pouvons pas mourir, nous vivons. Et pour nous raconter ça, Seigneur a fait pour nous. Seigneur a fait pile bagaille pour nous. C'est nous qui pas qu'à raconter. Parfois, c'est nous qui ingrats, bon Dieu, qui était avec bouche fermée, qui pas marché, dit, sauf fait pour nous, qui pas raconté, sauf fait pour nous. Matin encore, nous réveiller, bon Dieu, et nous bénissons parce que nous capables d'avoir un nouveau jour. Merci Seigneur pour présence. Merci Seigneur pour garantie qu'au ban nous, qu'on va pas accompagner nous. Et ça fait que parfois, les mouns nous dans la rue, on pense nous seuls. Mais au nom de Jésus, nous pas seuls, parce que nous accompagnés, nous blinder dans le nom de Jésus, nous couvrir dans le nom de Jésus. Seigneur, fait que chaque pas nous mette pillé, nous, ou là avec nous, accompagner nous. Chaque côté que nous avons rentré, chaque monde que nous avons baillé en main, chaque monde que nous avons parlé avec, chaise que nous prenons chita dans le bureau que nous avons rentré, nous m'en déjà blindé ou déjà. Parce que nous connaissons que, il y a un pile monde parfois qui parle de ouais, nous pas même connaissons même. Il y a un pile complot, Seigneur, qui a rangé contre nous-mêmes, qui a mariné contre nous-mêmes. Mais nous-mêmes, nous pas même connaissons. Et ça fait un appel au matin, Seigneur, défaite tout complot, bon Dieu. Défaite tout complot, Papa Seigneur. Gâtez tout complot. Gâtez toute magie qui montait sans que nous pas connaissons. Toute vie renvoie, toute vie bagaille, Seigneur, que nous pas même au courant de nous. Nous demandons au Seigneur, matin, pour qu'il y ait une victoire. Tout côté mon chita, Seigneur, parler de nous mal, matin. Nous m'en mettre confusion dans l'ennemi, confusion dans le chaos. Fait que on ne pas comprendre ça, l'autre a dit, Seigneur, de sorte que serviteur, yo petit, yo cap vivre dans la paix, matin, Seigneur. Jésus n'a pas sauté, matin, nous m'en pour qu'il couvrir nous. Nous besoin, matin, Seigneur. Gémon cap sauté, papa, avec yon men à ma choué. Parce que yon dossier qui long, yon dossier cap traîner, Seigneur. Yon dossier qui pas qu'à avancer. Et ça mette yon un problème, parce que yon pensez déjà, yon t'arrive un résultat. Mais pas grand rien qui saute si bon Dieu. Matin, Seigneur, nous m'en nous force, papa. Gendele, nous pas qu'à camper, non, bon Dieu. Gendele, nous pas qu'à faire face parce que nous avons trop bagailles qui couvrent nous. Trop causes qui couvrent nous et nous pas qu'à avancer, bon Dieu. Nous m'en mettre force ou dans faiblesse, tout, bon Dieu, pour nous capables de vivre. Merci pour chaque monde qui a coûté, matin, Seigneur. Merci pour chaque monde, Seigneur, qui connaît que sans ou y'a pas rien. Nous remettre foi, y'a dans mes, nous remettre si moun, y'a dans mes, nous remettre chaque monde, Seigneur,
qui a confronté yon problème au niveau de la caillou avec Marie, avec Madame, avec Simon, bon Dieu. Chaque monde qui a un problème au niveau de travail, bon Dieu. Là où il vient de travailler à cœur pas content. Là où il vient de travailler à Seigneur. Yon senti yon pas vivre parce que yon vivre dans un paquet de coroqueur qui pas même voulait accepter ou même qui pas même d'accord avec yon. Et qui a vivre dans hypocrisie avec yon, bon Dieu, papa. Mais yon en met au matin, bon Dieu. Fais-nous grâce, papa. Ou contre tout dossier, ou contre tout problème, yo, ou contre tout tracas, ou contre toute tête chargée, yo. Mais ou nan men, bon Dieu, ou dit que yon soupir suffit pour qu'on ait qui ça nous voulait dire, Seigneur. Parlez pour nous matin, bon Dieu, campez pour nous, Seigneur. Campez pour nous, Seigneur. Délivrez-nous de toute attaque, de toute difficulté. Mais je vous dis, nan men, bon Dieu, papa, nous m'en prendre devant la marche des dos. Parce que nous prions ça au nom de Jésus, qui vivra pour les siècles des siècles. Amen. Yon bonnet matinal, yon bonnet nan la priye. Assurance ak defans nou, se lè nou réveye ak bon Dje. Nou réuni pou yon seul but. Priye, chante, medite, et même danse ansanm. Sa pèmèt nou jwenn fòs ak kouraj pou nou reyisi jounen ak Jezi. Ansanm nou reprann fòs nou, nou pataje fwa nou, yon priye pou lòt, yon pataje pen lòt. Bonnen nou, bonnen mwen, se reveye ak bon Dje chak maten, 6h-7h avèk Pastor Franz Philippe. Kone moun, koumi moun ki dako maten, koumi moun ki kwe maten ke bon Dje pral fon bagay pou yo, koumi moun ki kwe maten ke sa pral ale, koumi moun ki kwe maten ke yap pare pou témoigne la grandeur de Dje. Combien de monde qui croit matin que dossier a pas le débloquer et qui est pour témoigner la grandeur de Dieu. Souda comme matin c'est pour chanter musique ça qui dit ça ira. Oui, c'est pour croire que ça pour aller. Souda croire que ça pour aller. Souda croire que ça pour aller changer matin. Hein? Souda croire que bon Dieu pour aller virer bagaille. C'est pour chanter musique ça matin, ça ira. Ça ira pour me saluer pasteur Samuel Noël depuis Cap-Haïtien musique que le gamin en pile. C'est pour dire avec Seigneur me connaît que ça pour aller marcher, ça ira. Bonjour sœur Mémène avec musique ça, bon réveil matin, ça ira. Tout le monde qui a agi la foi au matin et qui vient pour témoigner, chanter ça ira. Ma mère sera agitée et qu'au milieu des vagues, tu perdras tout courage. Ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira. Même quand le ciel n'aura plus son bel éclat et que toute la joie s'en ira loin de toi, ne t'affole pas, oh non, car ça ira. Hey, hey, ça ira quand le temps fera son chemin. Ça ira par la foi qui nous portera. Ça ira car l'espoir ne faillit pas. Ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Oui, sœur Justine, ça ira, frère Lucanès, ça ira. Je crois que bon Dieu qu'a fait le matin. Bon réveil à toutes les amies qui croient que quand la ça a marché. Hein? Agité, et qu'au milieu des vagues.
Bonjour Luvens, bonjour Evnise, bon réveil matin, ça ira. Ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira. Même quand le ciel n'aura plus son bel éclat et que toute la joie s'en ira loin de toi, ne t'affole pas, oh non, car ça ira, hey, hey, ça ira quand le temps fera son chemin. Ça ira par la foi qui nous portera. Ça ira car l'espoir ne faillit pas. Ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Il t'arrivera de perdre tes repères, s'installera le doute tout au long de la course. Ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira, yeah, yeah. Celui qui tient la voûte connaît bien la route. Puis dans nos pires déboires, il nous donne la force de croire. Ne t'affole pas, oh non, ça ira, ah. Ça ira, quand le temps fera son chemin, son chemin. Ça ira, par la foi qui nous portera. Ça ira, car l'espoir ne faillit pas. Ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Seigneur, nous approchons. Seigneur, nous bénissons matin et nous connaissons un jour soleil la tourner. Merci pour l'espoir que nous matin à travers chance qui revigore nous, qui ressource nous. Matin a prié au matin pour la sœur Béganise Brutus qui branchait depuis Abaco.